this camera is a camera who took the lovely videos in Isola 2000 in 2009 with Adam Raga, Jordi Tarrés, in Zenith of Strasbourg after it was with Raimi Busto. Takahisa Fujinami, he said no, because Monsieur X-Trial. Frédéric of... Oh, qu'est-ce que je raconte, je vais dire son nom. Un expert. Bah, Takahisa Fujinami, ah, il a vachement eu les pétoches. Il a eu les pétoches que ça avait durer une demi-heure, comme l'a fait Hofner. Oh, qu'est-ce que je raconte, Frédé... Ah, merde, X-Trial. T'as qu'à décrocher quand j'appelle sur ta ligne fixe. Diplofred, t'as qu'à décrocher. Et quand tu vois le 33, t'as pas le temps. Tu te dis, Vanco me prend de la tête. Celui-là, pendant une demi-heure, j'ai pas le temps. Il faut que j'aille aux abeilles. Les abeilles. Faut que j'arrête de faire le con parce que... Les experts du CHS de Kraft, quand ils vont voir ça, ils vont dire, il est complètement fou. Ils vont le chercher. Un filou. Il a fumé de la drogue. Il a trop bu. Non. Là, non. C'est ma potion magique. Sucre de canne. Léger. Glaçon. Un zeste de citron. Et puis c'est super. Et puis la vie est belle. Salut Florentin, salut Jérôme. Salut Lucas. On commence à être un petit groupe d'experts. Et puis, chante dans les prochains temps. On va bien s'amuser. Jeudi 20 août de l'année 20, il est... Ça ne s'invente pas 8h moins 1. Très bon jeudi. N'oubliez pas que demain, c'est vendredi. Et que vendredi, c'est la journée des... Alors, mercredi, c'est le jour du canard. Coin. Jeudi, c'est le jour des experts. I'm a selfish, arrogant, but not ignorant citizen. So like you. Et vendredi, c'est le jour des radars. Eh ben le matin, à 5h, il y a le radar. Il y a 20 mètres à droite, il y a 20 mètres à gauche, il n'y a pas un chat sur la route, aucun risque au niveau latéral, au niveau frontal de rencontrer un obstacle. Mais, on va vous flasher, à 56 km/h, dans une bourgade limitée à 50, vous allez payer 90€ parce que vous êtes un dangereux conducteur, un dangereux chauffard de la route. J'en dirai pas plus. Si. Allez sur la Ligue des Conducteurs. www.ligue-des-conducteurs.fr ou .com, un truc comme ça, je mettrai le lien. Ce qui se passe en Allemagne pour la même chose, vous payez 17€. Chez nous, c'est 90€, donc c'est du racket. C'est du racket, je n'ai qu'une seule chose envie de vous dire, c'est de respecter la limitation de vitesse. Si tout le monde respecte la limitation de vitesse, toutes ces sociétés mises en place par des gouvernements de corrompus, feront faillite et puis ils n'auront plus lieu d'être et puis parce qu'on ne va plus payer les gens à être dans des voitures radars si ça leur rapporte pas un radis. Hein. Donc ces radars, surtout ne pas les détruire. Parce que quand si vous les détruisez, si des pseudo-anarchistes les détruisent, des petits cons, qu'est-ce qui se passe? C'est remboursé par les assurances. Donc vous rentrez dans le jeu des banques, les assurances et des banques. Donc vous êtes voulu du pognon, et parce que de toute façon après c'est toute la communauté, si c'est pas vous, si vous travaillez pas, ce seront vos enfants qui allons payer. Donc ils sont toujours gagnants, comme le site que j'ai fait sur le surendettement, où j'explique que surtout ne gardez pas le silence, en gardant le silence, en ayant honte d'être en surendettement, vous rentrez dans le jeu des banques, c'est le dernier truc à faire, il faut parler. Chose que je fais. Un peu de façon dynamique, c'est sûr. Mais, quand on a fait du trial, on sait aller doucement, quand il faut faire doucement,
Et alors, quand il faut mettre les watts, on met là. Troisième, pour pas que ça parte trop vite à l'arrière, on fout le moteur à fond, on les watts, et on fait cirer, on se crispe, on compresse. Ah bon, ça, je suis devenu.